Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter un livre d'Elisabeth Corévon, Guérisseur de l'invisible, entité amère-âme, âme errante, passeur d'âme, donc qui a été édité aux éditions Exergue, que vous pouvez retrouver chez www.edition-tredaniel.com. Il est à 19,90 €. On nous dit bienvenue dans l'univers des mondes de l'invisible, là où la mort n'existe pas. J'ai désiré écrire ce livre afin de bousculer les idées reçues quant au monde qui nous entoure, en vous parlant de l'après-vie et de ces âmes qui gravitent perpétuellement autour de nous, de leur impact sur notre évolution et réciproquement, mais aussi afin de dédiaboliser ce qui touche à la mort, à la réincarnation, au contact que nous pouvons établir avec les plans parallèles pour ceux d'entre nous qui le ressentent. Elle nous dit aussi, j'ai également souhaité apporter des réponses claires aux personnes déstabilisées par les manifestations de phénomènes effrayants. J'ai à cœur de vous expliquer que c'est une âme, ce que nous vivons en rendant notre dernier souffle et comment rejoindre la lumière, mais aussi pourquoi et comment nous attirons à nous ou sur nous des entités. Nous aborderons également le monde des énergies subtiles, comment nettoyer vos nœuds karmiques et travailler sur votre équilibre physique et psychique, ainsi en se libérant de votre capharnaüm émotionnel interne, nous deviendrons au fil du temps des guérisseurs de l'invisible. Encore un beau livre, vraiment. Alors là, c'est le sommaire, je vous montre. Pareil, j'aime beaucoup l'écriture. L'écriture, voilà, elle n'est pas trop petite, elle n'est pas trop grosse. C'est parfait pour mes petits yeux. Donc vous avez un marque-page, donc dimension quantique et holistique. Voilà, je vous montre un petit peu à l'intérieur. Bienvenue chez Spiritus Airlines, les différents plans. Donc voilà, tout au long de ça, là c'est les entités ou amérantes. On vous explique encore plein de choses. Pourquoi les âmes viennent-elles sur nous? Donc voilà, on vous montre des tableaux, par exemple ici. Je suis dans la joie en général sans que cela dépende des événements, objets ou comportements des autres. Et vous avez, voilà, sur le côté, voilà, les petits rituels, la famille des passeurs. Donc on vous explique. Là, on a l'armée des ombres. Manipulation et pulsion. Comportement. Voilà, c'est encore un très beau livre, hein, vraiment. Je vous le recommande. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Là, je commence à vous en présenter. J'en ai présenté quelques-uns qui sont vraiment bien, hein, depuis un certain temps. Surtout sur le monde de l'invisible, sur la communication avec les animaux. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour et dites-moi ce que vous pensez de ce livre. Pour moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!